déjà. Oh là là, t'attaques de bonheur. Eh, j'ai bien pour les coups. Frédéric, bonjour. Bonjour. Ça consiste à quoi votre travail? Voilà, ici il y a les connecteurs. Ici il y a tous les fils. Et je vois à qui c'est sur les fils sur les connecteurs. Et je vois suivre le plan. Alors ça fait à peu près 10 ans que je suis en câblage. Avant j'étais en menuiserie. Quand à la fermeture de la minerie, je suis venu ici. Donc je suis été reclassé par la direction. Voilà. Donc il y a combien de temps je travaille ici à la fois. Il y a des trucs que je peux pas faire, il y a des trucs que je peux faire. Et j'arrive à débrouiller tout ça. Pour moi, je suis content de moi-même. Je fais beaucoup d'efforts pour travailler. Pour faire ça, c'est pour une raison. Hein. Par rapport à nous, puis montrer qu'on est capable de travailler par rapport aux autres. Donc, comme j'ai un niveau de CAP en menuiserie, j'ai réussi à l'avoir. On reste soi-même. Et quand on a envie de faire quelque chose, on va jusqu'au bout. Mais c'est pas évident avec l'handicap que j'ai. Mais il y a des moments où encore après moi par rapport à mon handicap. Mais c'est pas facile à vivre. Mais on peut faire avec. Moi, je rentre voir ma femme, elle est là au matin. Moi, elle donne un coup de main. Et ici, c'est différent. On doit débrouiller tout seul ici dans l'entreprise. Parfois, il y a des gars qui n'ont rien à coup de main. Il y a des trucs qui n'arrivent pas. Moi, j'arrive à débrouiller. Hein. Pour arriver là, je suis fier de moi-même. Comme on est en famille, il y a toujours des hauts et des bas, comme tout le monde. Hein. On fait comme les autres. On est des gens normaux. On arrive à débrouiller. J'ai deux filles et un garçon. Et j'arrive à comprendre par rapport à mon handicap. Voilà. Je suis heureux. Je m'appelle Samuel Ledru. J'ai 31 ans et j'habite à Lignoreuil. En fait, je suis opérateur électronique. Je m'occupe un petit peu de tout ce qui est test. Aussi un peu de la soudure à la vague et puis de la vernisseuse. J'ai un BTS en électronique et j'ai été orienté ici par rapport à des problèmes de santé. En fait, j'ai été greffé d'un rein il y a 7 ans maintenant. Auparavant, il y a eu la dialyse. De ce fait, j'ai été orienté en atelier protégé. Mais c'est plutôt invalidant à certaines périodes de la vie par rapport aux contraintes qu'on peut rencontrer lors des séances de dialyse, par exemple, où il faut adapter les horaires ou autre. C'est plutôt une bonne ambiance. On essaye de bien être encadré, d'évoluer dans un milieu agréable.